C'est un film qui interpelle aujourd'hui tout un pays. Viva l'Algérie sort simultanément des deux côtés de la Méditerranée demain et il brosse un portrait souvent dérangeant d'Alger la Blanche, prostitution, homosexualité, situation des femmes. Nadir Moknesh, le réalisateur, fait voler tous les tabous en éclats. Dominique Poncet, Jean-Jacques Buty. Pour la photo souvenir de la sortie de leur film, ils sourient et ils ont le droit. Car en réussissant à faire Viva l'Algérie, ils ont en plus remporté une victoire sur la peur et les préjugés. Car c'est d'Alger que parle le film. Qu'est-ce qui arrive à ma fille ? Alger la belle, Alger la blanche, mais aussi Alger la dangereuse. J'avais vraiment envie de donner à Alger son cinéma. J'avais aussi envie de sortir Alger et l'Algérie de son isolement et de montrer l'humanité des Algériens et des Algériens en particulier. Le portrait d'Alger, c'est à travers celui de trois femmes que le réalisateur a choisi de le dessiner. Trois femmes qui, chacune à leur manière, transgressent les règles et en même temps les subissent. Des femmes, donc, tout en contraste et en contradiction, exactement à l'image de leur ville. Et là, tu te penches vers les hommes. J'ai retrouvé l'Alger multiple que je connais. Parce que c'est ça qui est bien à Alger, c'est que Alger est multiple et que c'est ce qui fait sa richesse, quoi. J'étais surprise de découvrir à travers ce scénario une Algérie aussi vivante, aussi pétillante et avec une envie de vivre telle qu'on la voit dans le film et sans passer par du sang, par du terrorisme, ce que j'avais lu dans les journaux, dans la presse. Oussama Ben Laden. Ben Laden reste introuvable. Il est trop fort. Ils ne pourront jamais le capturer. Ils ont tourné dans des quartiers comme Bebelwed, les quartiers populaires. Il fallait voir les youyous qu'il y avait sur les balcons. Ils disaient, Nadir, merci Moknesh, merci Biyona. T'as une voiture, Samir? Tu comptes me faire marcher? Ce qu'il y a de formidable avec Viva l'Algérie, c'est qu'il dynamite les clichés sur Alger et surtout dit le courage des femmes, sans hypocrisie et avec humour.